Hello everybody, of course c'est encore moi, bienvenue à The Stephanie Show, bienvenue à ma chaîne YouTube, of course, it's me again, ok? Je sais, c'est encore moi, c'est moi, en tout cas, bienvenue ici, je sais qu'elle est toujours la bienvenue, bienvenue, next. L'artiste d'aujourd'hui est Libianca. Libianca Fungi de son vrai nom, mais le nom du scène, c'est Libianca. Libianca, elle a 22 ans, elle est d'origine camerounaise, elle est de nationalité américaine, elle est née aux États-Unis à Minnesota, mais elle quitte les États-Unis à 4 ans pour le Cameroun. Elle fait une partie de ses études là-bas, elle retourne aux États-Unis, je crois, à ses 13 ans. Elle continue ses études, bien sûr. Elle est une artiste, chanteuse, compositrice, ingénieure de son. Elle sort son EP à ses 16 ans. Et oui, elle sort son premier EP à ses 16 ans. Le son qui l'a propulsé dans le monde entier, c'est le son People qui est sorti en 2022. Elle est active, je dirais, depuis 2019 jusqu'à présent. Ça fait 10 ans qu'elle fait de la musique, mais professionnellement parlant, ça fait plus exactement 7 ans qu'elle fait de la musique. Next. D'où vient son intérêt pour la musique, sa passion pour la musique? C'est très simple. Quand elle était au Cameroun, ils avaient une nounou, ou babysitter, je peux pas dire ça comme ça. Enfin, elle faisait un peu de tout, c'est-à-dire que s'occupait des enfants, faisait le ménage, etc. Et à chaque fois qu'elle faisait son boulot, elle chantait. Elle chantait pour être heureuse. Elle était tout le temps heureuse, en fait. Et du coup, Libianca, elle était touchée par cela. Elle a aimé l'émotion qu'elle ressentait à chaque fois que cette nounou chantait. Elle a aimé le comportement de la nounou, parce que la nounou était tout le temps heureuse, tout le temps elle chante, tout le temps elle est contente. Donc elle s'est dit, bon, j'aimerais être comme elle, j'aimerais être tout le temps heureuse, j'aime bien l'émotion que je ressens lorsqu'elle chante, etc. Donc c'est comme ça qu'elle s'est mise à chanter, c'est comme ça qu'elle a développé son intérêt pour la musique, etc. Donc à ses 10 à 11 ans, elle commence à écrire des chansons. Quand elle retourne aux États-Unis, elle continue ses études. Tout ce qui concernait la musique à l'école, elle était là. Elle a même fait partie d'une chorale à l'église parce qu'elle adorait chanter. Elle était là. Donc, elle avait une coach vocale à l'école. Elle avait aussi une coach vocale à l'église. Donc, chose qui l'a aidée justement à développer sa voix, à travailler sa voix et à devenir justement une très bonne chanteuse. C'est vrai que, voilà, c'est pas seulement apprendre à chanter. Je pense que, voilà, elle avait ce don en elle, elle avait déjà ça en elle, mais elle ne savait pas. Et je pense qu'elle a juste découvert, c'est là qu'on a voulu chanter. En fait, elle se dit, bon, je vais faire ça. J'aime bien être contente comme elle. J'aimerais être tout le temps contente comme elle. Donc, je vais mettre à chanter. Et je pense que c'est juste ça qui lui a poussé à découvrir qu'elle avait ce don déjà en elle. Et du coup, je pense pour moi, pour ma part, je pense qu'elle a juste appris à développer, voilà, ce qu'elle avait déjà en elle, quoi, tout simplement. À ses 15 à 16 ans, Libianca signe son premier contrat avec un label durant lequel elle a appris à devenir ingénieure de son. Et c'était un contrat de une année. Voilà, c'est ça. C'est un contrat de une année. Par la suite, elle participe à The Voice USA. Et elle réussit son audition, tout simplement. Elle réussit son audition. Elle était très bien, elle était très forte quand même, elle était aimée. Son coach était Blake Sheldon. C'est-à-dire en fait que tous les coachs se sont retournés. Donc il fallait qu'elle choisisse le coach qu'elle voulait. Et elle a choisi Blake Sheldon, tout simplement. Et pendant son expérience à The Voice, elle a dit qu'elle a appris justement. Elle a beaucoup appris sur elle, elle a beaucoup appris dans la musique également, elle a gagné beaucoup d'expérience par rapport à elle-même, par rapport à sa carrière en tant que musicienne, par rapport à son rêve à devenir musicienne, que c'était une très très bonne expérience, pour vous dire même qu'elle a été éliminée à la 20e position, donc ça veut dire quand même qu'elle c'est une gamine qui est quand même forte dans la musique, hein. Parce que vous imaginez les millions, des millions, des millions de personnes qui participent à The Voice qui se font éliminer et elle s'est fait éliminer juste à la 20e place. C'est-à-dire qu'elle était très très forte quand même, hein. Bref, est-ce qu'elle a été toujours soutenue par son entourage? Est-ce qu'elle a été toujours soutenue par ses parents? Oui. Oui. Par rapport à la plupart des artistes qui
que pour eux, c'est le cas, c'est le contraire. Elle a été soutenue par son père et par sa mère. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour la soutenir dans sa carrière en tant que musicienne. C'est-à-dire, en fait, que tu fais ces études, bien sûr. Mais, puisque tu veux devenir chanteuse, on va te soutenir. En condition que, bien sûr, tu continues tes études. Donc, elle a été vraiment soutenue par sa mère, par son père. Sa mère, elle payait les cours de guitare. Il faisait tout ce qui était possible pour qu'elle puisse réussir et s'améliorer dans la musique avec le peu qu'ils avaient dès qu'ils pouvaient. Voilà quoi. Mais par contre, quand je dis sa famille, c'est-à-dire ses cousins, ses oncles, etc., ne savait pas qu'elle savait chanter. Personne ne savait en fait parce qu'elle n'en parlait pas. C'était quelqu'un de timide, elle était réservée. C'était que son père et sa mère qui savaient vraiment que voilà, c'est ce qu'elle veut faire, c'est son rêve. Et ils vont la soutenir. Les seules personnes, à part ses parents qui savaient qu'elle savait chanter et qu'elle souhaitait devenir star, c'était ses amis à l'internat. Donc c'était pas facile pour elle. On dirait que c'était une gamine qui a toujours été timide, qui a toujours été réservée sur elle. Donc je pense que chanter justement l'aide à s'exprimer, chanter l'aide à communiquer avec les gens. Donc je pense que c'est pour ça que elle se donne à fond dans la musique parce qu'elle s'exprime via la musique puisque c'est quelqu'un déjà de base qui est réservé et introverti en fait. Donc je pense que la musique, elle l'aide à communiquer avec les gens plus facilement, l'aide à s'exprimer via la musique et émotionnellement, ça lui fait du bien. Voilà, ça lui fait du bien. D'où vient son inspiration pour son single People en 2022 qui a explosé à niveau international et justement c'est grâce à ce single là que je suis là pour vous parler de Libyanka. C'est grâce à ce single là que tout le monde a connu Libyanka. Voilà, donc d'où vient l'inspiration, d'où sort cette inspiration pour ce son là c'est vraiment tellement simple, mais vraiment pas compliqué comme on dit deux fois hein. Les choses les plus simples, c'est ce qui je sais pas comment expliquer, bref. Mais je sais que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Bref, de toute façon, d'où sort l'inspiration? Libyanka, à l'époque, hein, à l'époque, elle a une maladie qui s'appelle cyclothémia, je ne sais pas comment dire ça en français, cyclothémie, I don't know. Cyclothémia, c'est une maladie de troubles d'humeur. C'est-à-dire qu'elle avait des sensations bizarres, elle avait des sensations malsaines, elle voulait que faire du mal, tu vois, elle était en dépression, elle n'était pas contente, elle était tout le temps énervée, en fait tout n'allait pas, elle pensait qu'à faire des choses malsaines, vraiment des choses pas bien quoi, des choses démoniaques, tu vois, cyclothémia, c'est un trouble de mœurs, c'est comme ça que ça s'appelle cette maladie. Donc un jour, elle recevait ses amis à la maison, tu vois, vous êtes des jeunes, vous vous retrouvez chez quelqu'un, vous buvez, vous mangez, vous passez une soirée tranquille entre amis, avec la musique, etc. Donc, ses amis, elle a reçu ses amis justement à la maison ce jour-là, mais par contre, elle n'était pas bien. Donc, elle n'était pas bien, elle était bizarre, elle était en dépression, genre... Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait, tellement que ses amis l'ont remarqué. On me demandait, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que ça va bien? Tu es sûr que ça va mieux? Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider et tout, tu vois? Elle n'était pas contente. Ses amis n'ont même pas remarqué qu'elle s'est éloignée, elle est partie dans un coin, je ne sais pas, sur le toilette, je ne sais pas quoi. Elle a pleuré là-bas parce qu'elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Tu vois? Donc, elle a suivi ses larmes et tout. Elle rejoint ses amis, mais ils voient, enfin, ses amis remarquent juste que ça ne va pas du tout. Donc, on lui redemande, elle dit que non, ça va, tout va bien. On a dit que non, ça va aller d'aller, vas-y, prends un short, ça va te faire du bien. Ils ont bien un peu de l'alcool pour que ça lui soulage et tout. Et du coup, après cette soirée, plusieurs fois, ils ont ressorti ensemble, justement, c'est ses amis. Et elle remarque qu'après cette soirée, elle boit encore de plus en plus d'alcool. C'est-à-dire, en fait, que petit à petit, elle devient alcoolique. Et durant cette même soirée-là, elle s'est éloignée de ses amis. Elle est partie au studio.
Et je pense qu'elle est en studio, je ne sais pas si c'est chez elle ou c'était ou en duplex ou triplex, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est partie au studio sous les étages. Donc, je ne sais pas si le studio est chez elle ou c'était dans un endroit où. J'en sais rien, mais en tout cas, elle a quitté ses amis, elle est partie au studio. Elle a dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je donne du contenu, il faut que je me lâche, je me sens bizarre, je ne suis pas moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Là, j'en ai marre. Donc, elle monte au studio, ses amis ne sont même pas rendus compte qu'elle est montée au studio. Elle cherche sur YouTube, elle cherche sur les réseaux sociaux, elle tombe sur un beat, voilà, sur un beatmaker, etc. Elle dit, tiens, puisqu'elle est ingénieure de son, elle a pris cela. Donc, elle remixe un peu, elle essaie de faire un ou deux trucs, elle voit que ça donne, elle se lâche. Elle se lâche, elle a dit, quand elle a commencé à chanter, c'est exactement ce qu'elle ressentait en ce moment-là. C'est ce qu'elle chantait. C'est-à-dire, en fait, que elle a dit, j'ai pas réfléchi, que, oh, je vais écrire comme ça, je vais dire ça comme ça. Elle a dit non. Elle a dit, elle a juste remixé le son, elle a trouvé un beat qui était bien, elle a remixé, elle a fait ce qu'il faut. Tu vois, elle fait des choses ingénieuses de son, quoi. Et dès qu'elle a fait ça, elle a dit, boum, elle a lancé le rythme, elle a commencé à chanter. Et la chanson est sortie comme ça, elle a enregistré la chanson, enfin, les paroles et les mots. C'est sorti toute seule, automatiquement, comme ça. Parce que c'est ce qu'elle ressentait en ce moment-là. C'est comme ça que elle a sorti son single, People. C'est juste, tu vois? C'est ça qu'on dit des fois, il y a des malheurs qui t'arrivent dans la vie, que ça va ensuite devenir une bénédiction. Donc, tu sais, traverser cette période difficile de sarcopénie, etc. Tu vois? Je pense que c'est Dieu avait, enfin, elle avait besoin de passer par là. Je pense que Dieu voulait qu'elle passe par là pour pouvoir lui ramener là où elle est aujourd'hui. Et je pense qu'elle est encore très jeune, c'est juste le début de sa carrière. Et je pense qu'elle a encore tellement de choses à nous faire entendre, à nous faire écouter, tellement de messages à traverser, enfin à nous donner à travers sa musique, etc. Parce que voilà quoi. Donc vraiment, 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 c'est une petite qui a vraiment du talent. Elle est en train de débuter. Elle est une bonne chanteuse. Elle est courageuse. Donc vraiment, vraiment, je lui souhaite que du bonheur, tu vois, dans sa carrière d'artiste, etc. Vraiment que du bonheur. Vraiment, vraiment, vraiment. Son People a tellement cartonné à sa sortie, c'est-à-dire en fait que c'est un truc de malade. Ça a cartonné sur TikTok, sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, ça a cartonné YouTube, ça a cartonné dessus. En fait, cette chanson a tellement parlé aux gens, à beaucoup, beaucoup, énormément de personnes, ça a touché tellement de personnes. Elle ne s'y attendait même pas que cette chanson allait cartonner ainsi. Vous voyez? Donc, la chanson est même sortie, elle est même parmi les 10 premiers, oui, c'est parmi les 10 premiers des Billboard Awards de la catégorie Afrobeat aux USA. Donc, voilà quoi, c'est comme on dit, ton moment, c'est ton moment. Hein. Vraiment, quand c'est ton moment là, c'est ton moment. Donc, si c'est pas ton moment, peu importe ce que tu vas faire, ça marchera pas. Ça marchera pas. Mais quand Dieu a dit que c'est ton moment, vraiment, c'est ton moment. Donc, c'était juste son moment. C'était la période dont elle est sortie de là à là. Donc, c'était sa période de bénédiction, son moment de gloire. Et je souhaite et je prie vraiment pour elle que, voilà, elle continue dans cette élancée-là et que ça continue comme ça, que ça ne cesse pas de briller, etc. J'ai un peu dans sa bénédiction, d'accord, pour que ma chaîne aussi, ça marche, que vous abonnez, n'est-ce pas? Hein? Vous partagez, vous likez, vous commentez. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur elle puisqu'elle n'a pas, elle débute. Elle débute juste. Donc, il n'y a pas vraiment plein de choses à dire sur Libyanka, à part le fait qu'elle a une agence, elle a une agence de création. Oui, une agence de création, c'est-à-dire un studio où. Elle et son ami Gagnant, qui est aussi ingénieur de son avec d'autres artistes, ont créé ces studios-là pour faire de la musique, pour s'amuser avec de la musique, pour s'éclater, sans justement payer quand ils en ont besoin. Donc, à part cela, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à elle. Donc, à part le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle souffrait de sarcopénie, je ne sais pas comment on dit sarcopénie en français.
c'est une maladie des troubles d'humeur, donc voilà. Et je suis contente qu'elle a pu traverser cette période de sa vie très difficile. Mais comme on dit, c'est un mal pour un bien, parce que grâce à ça, elle a pu réussir dans la musique, dans ce qu'elle elle a voulu. Et je pense que c'est Dieu qui a fait ça. Il n'y a pas le hasard dans la vie. Donc il y a des choses qui arrivent dans la vie, c'est pour nous fortifier, pour nous préparer pour ce que Dieu va nous donner. Voilà. Donc je pense qu'elle avait besoin de traverser cette situation-là, cette maladie-là, pour justement valoriser ce que Dieu lui a donné, qui est ce qu'elle est maintenant. Donc bravo à elle et merci pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, si vous avez aimé, si vous avez kiffé, si vous avez appris quelque chose sur Bianca, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, encouragez-moi quoi. J'ai besoin des 1000 abonnés, please. Je suis même pas encore à 1000 abonnés. Il me faut 1000 abonnés et je sais qu'avec vous, j'arriverai. Ouais, vous voulez que je demande encore comment? Donc, à chaque vidéo que je veux sortir, je vais vous demander de vous abonner. Ça, c'est même quoi, ça? Non! On peut demander des abonnés comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un même sur Terre qui a demandé des abonnés comme moi j'ai demandé? J'ai pas le choix, je veux que demander. Il faut quand même que j'arrive au moins 1000 abonnés. Pardon, abonnez-vous, partagez, likez. Ça coûte même quoi même un... C'est combien même un abonné? Ça coûte... Qu'est-ce que j'ai dit même? Vous voyez? Vous m'embrouillez même. Vous m'embrouillez même, je sais même plus quoi dire. S'abonner, c'est gratuit. Likez, c'est gratuit. Partagez, vous ne pouvez pas vous abonner. Partagez! Que vos amis, vos familles, vous m'encouragez? Si vous ne m'encouragez pas, qui va m'encourager? Hein? Qui va m'encourager? Le but, c'est que vous connaissez, vous voyez, vous connaissez la vie de nos stars préférés africains. Vous savez par quels moyens ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein? N'est-ce qu'on a dit que Black Lives Matter? Vous voulez, comment? Vous voulez que je dise quoi? Non, abonnez-vous. Ah! C'est même quoi? Abonnez-vous, Yaya. Oh!